Et bonjour à tous, on se retrouve toujours pour pour alimenter le petit côté arcade du site. Alors là, je vais vous montrer, alors pour ceux déjà qui voient Hokuto, Atom Hokuto. Alors, Hokuto no Ken, c'est Ken le survivant. Donc dessin animé apparu dans les années vers le milieu des années 80 sur nos chaînes à nous. Et donc là, en fait, il s'agit d'un émulateur qui n'émule que ce jeu-là. Donc version arcade. Alors je crois bien que ce jeu est également sorti quasiment à l'identique, si ce n'est à l'identique, sur PS2. Donc j'ai déjà vu des choses concernant l'émulateur là que nous avons ici, donc PCSX2. J'avais fait quand même assez de vidéos là-dessus. Vous l'avez vu fonctionner, mais là il s'agit vraiment de du dump de la ROM arcade. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, dans le rare émulateur, l'émulateur Run, voilà, qui émule que celui-là, donc Fist of the North Star, donc de 2005. On va lancer ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc j'ai au préalable configuré tout ce qui était notamment le gamepad. Alors je ne crois pas qu'il y ait de présentation. On va. Je l'ai pas la main, je vais vérifier quand même au cas où. Ok, c'est parti. Donc, vous avez tous les personnages. Vous pouvez choisir. On va prendre Ken. Hein. Bon, je ne connais pas les coups, je les ai vu vite fait passer. Mais je les connais pas. Allez. Donc il y a une légère transparence, vous la verrez au niveau du ventre ici, on voit à travers, ça j'ai déjà vu, mais bon, c'est pas spécialement, ça n'empêche pas de jouer, hein. Même des personnages derrière, on voit à travers les abdos du gars. Allez. T'as trouvé les touches, voilà. C'est vrai que le son bave un peu. Allez. Donc pour tous les fans. Donc rien de spécial, mais c'est vraiment voilà, ça pour ceux qui ont connu. Et en plus je crois que c'est vraiment un jeu
des jeux que, sur tout ce qui est l'univers de Ken qui est un des mieux perçus, en fait, d'après ce que j'ai lu. Bon, après, je crois qu'il y a eu des versions récentes aussi qui sont sorties, mais bon, là, on est sur sur du jeu en 2D. Donc, c'est pas comparable. なんと極徒拳。なんと極徒拳。なんと千秋遊撃。それまで。ああね。なんと極徒拳。 C'est pas gagné de manière géniale, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer, je termine celui-là de Compao. Forcément. Ah ouais. Oh, dommage. Dommage, par rapport. Oh. Ça. Allez, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas continuer à faire tout le jeu, ce n'est pas du tout le but. Quoi qu'on peut, apparemment, il y a des possibilités de sauvegarde. Sloth One, je ne sais pas du tout comment ça se sauvegarde. Allez. Voilà. Donc vous pouvez facilement trouver cet émulateur. Il est par exemple sur le site Emuline. Si vous vous inscrivez dessus, vous aurez la possibilité soit de récupérer les deux de séparés, soit de récupérer le pack complet. Il faudra à ce moment-là que vous fassiez vous-même le... Que je me trompe pas, je me donne... Voilà, au niveau des plugins... vu que c'est quelque chose qui a été zippé, enfin moi ce que j'ai trouvé, si jamais vous avez un souci, la version avait été zippée, donc les liens ne correspondaient plus, il suffit de reprendre les liens vers où se trouve actuellement votre émulateur, et par rapport au répertoire plugin ROM et NVRAM, voilà, et après il y a tout qui se remet en... Il y a tout qui se remet normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu, vous donnera envie d'aller vous faire une petite partie avec Ken le survivant. Je vous dis bon jeu et à la prochaine vidéo. Bye bye.